この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour jouer à Tokyo Extreme Racer Drift 2 sur PlayStation 2, justement. Alors, un jeu qui m'a été maintes fois conseillé, bah, écoutez, on va découvrir ça ensemble. Alors, je précise que c'est le premier qui a apparemment été quand même. Enfin, c'est le deuxième, pardon, qui est un petit peu différent. Vous avez pu voir l'intro qui est, ma foi, fort sympathique. Alors, on va du coup voir au niveau des options. Quelles sont les options du jeu? Donc, on a les options. On peut activer les vibrations, la course picture, je sais pas ce que c'est, course guide non plus, course bar, ah c'est la map, ok. Course bar display, je sais pas ce que c'est, mettre ok, question bar, ah ça c'est pour les freins et les pneus, d'accord. Black mirror, turn rear view, ghost, ok, mission, et toggle de chier, area zone on off, et endroit homme, femme ou SE. On va mettre SE. Ensuite, au niveau du son, donc effectivement on va voir la musique, le BGM, je vais le baisser un petit peu. Window open. C'est quoi la différence de window open close? Bon, on va mettre open hein, dans le doute. Assign controller bouton, on va voir ce qu'il y a comme configuration. Donc au niveau du contrôleur, on a le light analog stick on off, je sais pas ce que c'est, et DA setup. Ok. Ok. Alors on a l'accélération, freinage, side brake, ok, shift up, shift down, ok. Passing L2, back view, light on off. Side brake, ok, donc ça serait R2. Je pense que ça le fera à main, side brake. Ouais, j'imagine. Bon, on va faire ça. On va revenir en arrière, on peut rouler avec le volant de. Le volant PlayStation 2 d'ailleurs. On peut changer les vues. Alors view behind. Oups. Derrière, ok. Ah, on a le viewpoint.
Bon, écoutez, on va laisser comme ça. Je pense que c'est pas mal. On peut charger, sauvegarder les paramètres et restore par défaut. On va laisser comme ça. Oh, la musique derrière, je la trouve très bizarre. Déjà, ça commence pas super bien. On dirait... Ça me fait penser à un truc, j'essaierai de m'en souvenir après, mais... Ah oui, voilà, ça me fait penser, alors là, désolé pour l'allusion, mais... Ça me fait penser au clip de campagne du MNR en 2002. Je vous laisserai faire un tour sur YouTube, vous comprendrez ce... Bah, c'est exactement la même chose. Désolé, je suis en train d'enfoncer le jeu complètement alors que j'ai même pas joué. C'est pas grave. Alors, on a un mode conquête, un mode record, un mode tour. Je sais pas du tout ce que c'est. On va faire le conquest mode du coup. Ah, Kaido, bah écoutez, on va s'appeler. Vous allez voir le niveau d'humour, niveau 150 000. Voilà, au Kaido. Yeah, j'espère que c'était magnifiquement drôle. Vous pouvez tous gosser devant votre canapé. Je vais me taire. Ok, bon alors une introduction particulière, hein. J'ai l'impression de jouer à un autre jeu, concrètement j'ai l'impression de jouer à un jeu, je sais pas, avec une histoire derrière, enfin pas un jeu de voiture, mais bon pourquoi pas, c'est original. Alors bienvenue dans le monde de Kaido, premièrement il faut d'abord que vous achetiez une nouvelle monture, vous pouvez acheter votre véhicule dans le vendeur de nouvelles voitures concrètement, et dans les voitures d'occasion. On peut acheter de nouvelles marques dans les... Ok... peut-être pas ça... Ah, ok... Alors le jeu existe en français, mais là on joue avec la version US. N'utilisez pas tout votre argent en achetant une la voiture. Il vaut mieux parfois des fois garder un petit peu d'argent pour acheter des améliorations pour la voiture. Donc c'est parti, on va directement passer à l'ambiance shop. On va aller au magasin. J'imagine un magasin de voitures, mais genre comme un store, c'est imaginez un Carrefour ou un Continent, bah, peu importe. Avec rayon pâte, vous avez le rayon, je sais pas, Fiat, après vous avez le rayon Ferrari, et chacun achète son truc. Alors, on va prendre. Je pense que. Alors, non, on voit l'argent que j'ai. J'ai 1 760 000 CP. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs, CP. Mais bon, en tous les cas, c'est la monnaie du jeu.
On peut acheter une voiture ou acheter une voiture qui a déjà été utilisée. On va d'abord voir les voitures usées, j'imagine quelque chose qu'on va pouvoir acheter. Et on a, alors là ça va être intéressant, voilà, on va voir un petit peu les graphismes du jeu. On a une CRX qui m'a l'air, ma foi, bien réalisée. On a, alors il y a cette voiture apparemment hein, qu'on peut acheter le début. On a une K Sport R+, alors on dirait la version K mais en 4x4. On a la Corolla Levin. Un 6 GTZ, on a une Primera. Oula, ok, c'est une version un peu plus récente. Je déteste cette voiture, je préfère vraiment l'ancienne. Ensuite, la Levin. Alors là, oui, on pourrait acheter ça. Là, on est en mode Initial D complètement. Mais c'est la 1500, la Mazda 6. Oui, donc on alterne entre les modèles quand même assez récents et les modèles assez vieux. Le jeu date de 2007, donc il y a quand même pas mal de marge. Et c'est un jeu qui d'ailleurs sort assez tard hein, par rapport à la vie de la PlayStation 2. Et on a la City Turbo 2. Alors je sais pas ce que je vais prendre. Celle-là, j'ai trop envie de la prendre parce que ça me fait penser au manga, enfin à l'animé. Ah, avec les filles là qui sont à la police. Bon, bref, c'est pas grave, vous comprendrez. Je sais pas ce qu'on va pouvoir prendre. Le CRX, les Kinkedo et Levin. J'en ai mis une Levin, mais j'ai peur qu'elle soit un petit peu trop lourde. Oh, elle fait que 1 070 kg. Je sais qu'à l'époque, les voitures. La sécurité, c'est quand même beaucoup plus légère. Non, je vais pas prendre une voiture type Initial D cette fois-ci. On va faire un peu l'inverse. Franchement, je vais prendre celle-là. Voilà, donc on va acheter une voiture usée. Elle coûte 1 583 000. Ah oui, j'ai cru qu'on pouvait choisir un mode de paiement en crédit, en 4 fois sans frais et tout, mais non, pas du tout. C'est juste du cash ou en échangeant. Et on peut mettre une plaque d'immatriculation. C'est pas mal ça. Bon alors ça, c'est sorti entrée des villes, quoi non. Bon, bah, je sais pas ce qu'on va prendre. On a un classique. Backlighting, bah oui, pourquoi pas. Ah ok, donc du coup on peut s'amuser à mettre des... Ok. Bon bah écoutez, on va mettre KI, j'en sais rien moi, voilà. Et on va mettre S. Ça va rien dire, mais c'est pas grave. Il dit ok, oui. Waouh! Vous avez une nouvelle monture! Vous savez probablement que vous voulez probablement. Bah en gros, rouler quoi. Mais attendez une seconde. Alors, quel est le devoir de diviser entre le jour et la nuit? Pendant le jour, vous pouvez entrer des courses officielles et récupérer des sponsors. Ou tester des sponsors. Ouais, ok. Les voitures et les parts peuvent aussi être achetées uniquement durant la journée. Ok. En gagnant de l'argent dans certaines catégories et entrer dans les courses avancées et les courses maîtres. Pour gagner des prix et des équipements assez rares. Les prix sont officiellement approuvés. Ah oui, ils sont une preuve de votre talent. Récupérez-les, vous ne pouvez plus perdre. Ok. Ok, donc il faut passer un test pour être un conducteur sponsorisé. Un pilote sponsorisé. Donc il va falloir mettre après le sticker sur la voiture. Et si on gagne une course. Ok. Désolé pour ma traduction boiteuse en anglais. Hein. Alors, ce qu'on peut faire après, move through each course, alors prendre un sponsor test au gate contract. Sinon, on peut directement checker les courses, les équipements, les infos dans le garage. Bon, ben, on va essayer de prendre un contrat. Alors, take off ou use, c'est quoi la différence? Ça fait penser au logo d'un autre jeu. Bon, c'est pas grave, on va prendre celui-là. Et apparemment, donc on va rouler avec une Toyota Celica GT4. Et il va falloir, j'imagine, un Nap Shift Assist. Bon, pourquoi pas. On va essayer ça.
Alors, on a une vue, deux vues, une vue, deux vues. Je sais pas ce que je suis censé faire. Oula, d'accord, ok. Alors déjà... Déjà, il y a beaucoup de choses à l'écran, vous l'aurez compris. On a l'écart entre les deux voitures avec le G à gauche, en bas à gauche, qui voit nos progressions sur le circuit et notre espace entre les deux voitures. Et je ne fais que taper, c'est impressionnant. Donc là, c'est vraiment une course de côte. Est-ce que je peux mettre la vue arrière? Non, j'ai pas l'impression. Alors, le maniement est vraiment très, très, très bizarre. Hein. On a l'impression d'avoir un travail de suspension constant. Alors j'essaie de toucher un peu le bouton R pour pouvoir déraper. Bon, on a réussi apparemment. Et du coup on peut faire continuer. Bon c'est un peu rapide, hein. J'ai pas eu le temps d'expliquer un peu le HUD, enfin d'essayer de le comprendre surtout. Donc là on a gagné 50 000 CP. On peut faire un contrat avec les deux en même temps, pourquoi s'embêter? Bah ouais, on va prendre la Hyundai Integra Type-R. Le Shift Assist. Alors bon, vous aurez compris, donc l'écart en à gauche. J'ai l'impression qu'il y a aussi l'écart en haut à droite. On a le bruit du moteur, on a le contour en plein milieu, on est en My Sparrow d'ailleurs. Et bah on a le SP, je sais pas ce que c'est. Hein. Ce dont je me rends compte, c'est que en faisant le R2, bah, je dis le frein à main, donc ça me fait déraper légèrement. Ah, et là, apparemment. Oh là là, je prends tous les murs, c'est impressionnant. Alors voilà la carte qui nous donne un peu, du coup je suis à peu près au sommet des virages. On a aussi en doublon les flèches. À la limite, pourquoi pas. Ça fait un peu beaucoup d'informations en fait, intérêt. On a le gir des pneus apparemment. Par contre, j'ai pas l'impression qu'on ait des dommages sur la voiture, si. Non, la voiture se casse pas. Ouais, là je la mets en dérapage avec le bouton R2. Bon, j'imagine qu'il faut doser. Alors ça va être une période d'adaptation, évidemment, pour jouer à ce jeu-là, parce que le maniement est loin de ce qu'on pourrait penser. Et du coup, on a réussi. Voilà, on a deux sponsors. Ça, au moins, tranquille. On va avoir plus d'argent dès le début. Ensuite, on va donc... garage. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le garage, justement? Donc, on peut voir notre voiture. On peut la tuner, on peut se connecter à Internet. View your mail. Ok. Important, normal. On va prendre que les importants. Ok, donc on peut changer de mail. Les anciens mails sont automatiquement détectés de votre dossier normal. Ok. Ok, ok. Ok. Bon, moi on les a lus. On va revenir en arrière du coup et on va faire BBS, c'est quoi? Ce BBS ça fait penser à BlackBerry Messenger, mais c'était BBM. Donc là on a B3, Long Course et Short Run. C'est quoi ça? Ok, course rapide a été ajoutée à vos courses 1. Ok, et ensuite on a Key the World, ok. Alors j'ai l'impression qu'il y a le temps en haut, on voit que c'est le jour. Est-ce qu'il y aura de la pluie? Je ne sais pas du tout. Et Long Race, on a Hakone Hiroshima. I need road info, telesign. Aussi, you are in Hiroshima, Mingsu. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Can find all sorts of ghost of Mikoshima. Ok. Cherry Blossom. Open. Ah ok, ça c'est le sponsor qu'on a récupéré tout à l'heure. Ah, Rival Info. Ok, donc les ce qu'il va faire. Ok, c'est génial. Rival Info, tiens, on va faire start. Il n'y en a aucune information, c'est juste que c'est le numéro 22.
Ok. Notre personnage inconnu numéro 21. Ok. Bon, je pense que le troisième ça va être pareil. Ok, bon bah pas de soucis, on a Akone aussi. Voilà, bon, on était vraiment dans le hub. Ok. On va pas revenir en arrière. Maintenant on va aller voir un petit peu View Player Information. Ok, bon, on a le nom, tout va bien, toutes les statistiques, ça c'est pas mal. Rive à l'info, bah, on peut voir que bah, on ne les connaît pas surtout. Il y en a... Oh mon dieu, il y en a combien? Il y a 356 rivaux. Ok. Et on a Praise Info, Course Info, Player Car, ok. Ouais, dans Player Car. Donc si je fais R1, j'ai la liste des voitures. Ok, donc je n'ai qu'une seule. Si on va dans Tune Up, pour voir les settings, Grand Setting, Port Library, Number Plate, Test Run. Enfin, Test Run, c'est pas mal. On peut regarder les réglages aussi. Powertrain, Gear Ratio. Alors je peux pas le changer parce que j'imagine qu'il faut des... faut acheter des... une boîte par exemple qui puisse se régler, faire ce genre de choses. LSD ratio, les suspensions, on a aussi le volant, on peut choisir... Ah oui, par contre ça on peut le changer. Brake effect, ok. Ok, bon, on va laisser comme ça parce que je sais pas du tout ce que ça va donner, on n'a pas encore conduit la voiture. ROM setting, c'est quoi ROM setting? No. Change ROM setting, check difference with performance. Ah, le torque peak position. Oh mon dieu! C'est la première fois que je vois ça, quoi. Ça, c'est no after, émulation 1. Si je décale, c'est after. Ok, oui, ça permet juste de voir la différence. Scale, ça sert en deux fois. Scale max, ok. On va voir par défaut. Ah, ouais, c'est la courbe de progression de puissance, j'ai l'impression. Et de poussée, enfin, ce genre de choses. Ok, bon, pourquoi pas. Et après on peut check difference in performance avec modification. D'accord, donc on peut voir les différenciations quand on rajoute des. Quand on rajoute des parties dessus. Et je me suis trompé, je voulais aller directement dans Tune Up. Part debris, équipement. Et normalement j'ai rien du tout. Puisque de toute façon je n'ai rien acheté. Alors si on peut acheter des trucs pour chacun de ces paramètres là, c'est pas mal, hein. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. On va aller du coup voir si on peut acheter des choses dans le shop. On va essayer d'aller prendre des... On a une car dealer, part shop, dress up shop. Alors on a 177 000, donc je sais pas si c'est beaucoup, je pense que non. On peut prendre Engine Tune, Turbo Tune, Power Tune, Power Train, Body Tune, Tire. Ok. Wheel. Par exemple, on va avoir un moteur. C'est quoi ça? Ok, AKP. C'est quoi AKP, HM, BS, Uni, HVN, c'est quoi? Donc ça, c'était juste des marques. Ok, bon, en tout cas, ça fait 230 000, donc on n'a pas l'argent pour. Ah, S-Engine, V-Engine, H-Engine, R-Engine, Rotary Engine, ok. Ok. Engine part A, B, C, 4, 8, level part, to improve your car, horsepower and torque, ok. 5 niveaux. Ok. Ok, more power, ok. Ok, bon, enfin c'est bon, ça va, j'ai compris. Mais c'est bien, c'est qu'il y a l'air d'avoir pas mal d'informations, ça c'est cool, ça c'est une bonne nouvelle. Ah, par contre, du coup, je sais pas ce que je vais acheter. Parce que tout a l'air un peu cher. Muffler, qu'est-ce qu'on a pour votre train, body tune. Est-ce que si on mettait une baisse du poids par exemple? Bon, je pense que ma voiture n'est pas très lourde de base, mais. Voilà. Du coup, c'est bon. Maintenant on va aller la partie pour pouvoir customiser sa voiture.
apparemment on peut la customiser. Body color change. Dealer color, ouais. Ah, on peut la changer en gris bleu. Ça coûte 150 000. Bon, bah, laissez tomber, hein. On va pas l'acheter. On va regarder un petit peu en arrière. Est-ce qu'on a. Ouais, Chitune par exemple, Stampon. Ah, ok, donc par exemple, je peux faire ça. Attendez. Color change. Cancel, set decal. Step menu, appli decal. Ok, donc là je peux changer la couleur par exemple. Alors, je peux augmenter, je peux le mettre par exemple en. En rouge, imaginons. Hein. Voilà. Normal. Du coup, voilà, ça sera devant. Mon dieu, que c'est horrible. Et si je fais rond X, ok. Par contre, je sais pas combien ça coûte. Ah, ça coûte rien. Bon, bah parfait. Du coup, on pourra être plein. Bon, on va pas le faire, hein. On va passer à la suite. Écoutez, on va revenir en arrière. Ça en est déjà à 26 minutes. J'ai l'impression d'avoir rien fait dans le jeu. On va du coup faire. On va faire des courses. Ah d'accord, donc on a plusieurs courses, on a Akone, on a Hiroshima, on a Akone, on a Hiroshima, on a Akone, on a Hiroshima, ou... Bon, pas Hiroshima. Il y a dans pas mal de tours différentes, hein, si je regarde, si je me réfère un petit peu aux vidéos. Cette musique qui va bien en plus. Ok, bah écoutez, on... Enter parking, c'est à quoi ça, enter parking? Quoi? C'est quoi ce truc? Alors, Team, iGumbla, supporter. Ça va être une destination. J'en sais rien. Ok, donc je peux choisir mon emplacement. On va se mettre à côté de l'arbre. Ok, je n'ai pas compris ce que c'était ce truc. Je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Allez, on va du coup faire Category Race, enfin faire une course, serait pas mal. Normal Race, Gymkhana, Advanced Race, bon, pas une course normale. On a la Hiroshima CA Cup, la TA Cup, la TAC Cup. On va commencer par la première. Apparemment, il faut faire des points sur celle-là, donc j'imagine que c'est des points de drift. Talk with Revolts in the Paddock. Attendez, on peut parler avec les rivaux. On a Mitsuri Yui, Battleship Q. Ok, donc ça. Ok, je regarde un peu les voitures d'ailleurs au passage. C'est pas comme voiture ça. Ok, donc ça c'est les rivaux qu'on est peut-être censé avoir contre nous. On va parler par exemple à Mitsuri. Elle s'est finie 4ème la dernière fois. Easy Battle Night. Ok. Bon, enfin, en tout cas, ils racontent leur vie, c'est super cool. Ok, bon, pourquoi pas. On peut parler avec les personnes du paddock. On va faire rentrer. Et on va laisser par défaut. Alors, j'imagine que c'est un jeu quand même qui doit être ultra technique à prendre en main. Enfin, je pense que voilà, il faut s'y prendre à plusieurs fois. Donc, faut que je fasse des points. Ok. Faut que je fasse 6000 points, j'ai vu 78 points.
C'est une blague? Oh non, j'ai fait zéro. C'est pas grave. Je m'entraîne un petit peu à la faire glisser. Ok, là on a pris... là on les a peut-être validés. Je vais doucement. Hein. Avec ma poubelle de poche. Ah! Aïe aïe aïe. On a vraiment fait un score minable. Hein. Aïe. Et ouais, j'arrive pas à ne pas toucher le mur. C'est un joli échec, en tout cas on se tape. Du coup on est troisième. Troisième, ok. Donc on a quand même gagné 20 000 points. On va continuer. Oui, donc si on est promis, on gagne 5000, ok. Bon, attends, on va recommencer une fois et on va. Après, on passera à la suite. On va voir un petit peu si on peut améliorer nos scores. Rien de faire 6000. Trop rapide. Je vais avoir zéro. Je vais réussir à faire pire que tout à l'heure, vous allez voir. En fait, à aucun moment j'arrive à bien glisser comme il faut. Ok, bon bah c'est incroyable, je n'arrive rien à faire quoi. Bon si, j'ai fait mieux, même parce que j'ai fait mieux sur la fin. Bon, ça reste toujours troisième. C'est pas grave. On va continuer. Et là ce qu'on vous propose, c'est qu'on va passer à une course. La Hiroshima Tea Cup. Faire un tour en 1,45, ok. Bah écoutez, on va garder cette vue pour une fois. Ah, le frein tout court, voilà, a bien marché. Hein. Pas besoin forcément de faire embrayage à chaque fois. Il y a quelque chose d'écrit en haut, c'est le AA, je sais pas ce que c'est. Ah, on a gagné, on a aussi premier. Bon, bah tant mieux. On a 50 000.
Et ben on aura réussi cet événement au moins, ça c'est une bonne nouvelle. Alors. Et la Hiroshima TAC Cup, on va faire les trois hein, de toute façon comme ça au moins. Bon, l'argent monte vite, mais au vu le prix des pièces. J'ai envie de dire encore. Ouais. Alors on est en descente. Donc je pense que potentiellement ça va peut-être être un peu plus dur. Après on retournera en mode normal pour voir un petit peu bah, les voitures disponibles dans le jeu. Je serais quand même curieux de voir. Ah, vous voyez, on a une jauge SP, je sais pas ce que c'est. Peut-être la barre de vie de la voiture, je sais pas. J'ai l'impression qu'elle bouge en fait quand on tape pas le mur. Ah, si j'ai touché un peu le mur, elle a baissé, donc c'est ça. On a bien une barre en fait qui dit que notre voiture est trop endommagée ou pas. Ça, c'est pas mal aussi. Elle est pas assez puissante en fait pour bien déraper la voiture, c'est ça le problème. Donc on a les jours des gommes en bas hein, avec le tailleur, vous pouvez voir, les freins aussi d'ailleurs. Mais les freins pour l'instant j'ai pas l'impression qu'ils s'usent beaucoup, hein. C'est plutôt les pneus. Et là boum, j'ai tapé. Bon, que dire du jeu, en tout cas en termes de graphisme, c'est plutôt pas mal, hein, plutôt correct, pour une Play 2 c'est quand même plutôt joli. A voir les replays quand même, ce que ça peut donner. Et on a réussi. On a fini premier. Ah bah j'aurais dû mettre le replay justement, pour voir un peu quoi ça ressemble. Bon, en tout cas on a réussi les deux premiers. Ah, clear. Non, il reste quand même celui-là à réussir. Je n'ai pas réussi. Novice Fighter, j'aime bien parce qu'il limite. Alors peut-être effectivement qu'il vaut mieux. Il vaut mieux prendre son temps. Ouais, effectivement. Faut vraiment, allez, vraiment prendre son temps. En tout cas, on a déjà dépassé les 6000 points. C'est pour ça que là, on a réussi. Ah, j'ai à peine effleuré. C'est vrai, là, y a vraiment pas de. Comment dire? La place à l'erreur, vous effleurez le mur, c'est considéré comme comme mort. Donc là j'ai réussi. On va le replay d'ailleurs, ça on verra un peu ce que ça donne. C'est certainement pas le plus beau replay que vous avez vu de votre vie dans ce jeu, mais bon, en tout cas ça a le mérite d'exister. Ah, le jeu est très propre, la piste est plutôt bien faite. Bon, la texture des arbres sont un peu moyennes, un peu baveuses, on va dire, pas très précises, mais bon, c'est pas ce qu'on va reprocher dans un jeu de voiture, la texture des arbres, c'est pas trop ça.
On va faire donc end replay. Et on va faire du coup continuer. Donc là j'ai reçu les 3. Peut-être qu'il va se passer quelque chose, je sais pas. Je sais pas. Ah non, j'ai tout réussi. On va faire cancel. Et du coup, les normal race, on les a réussi. Bon, pourquoi pas. On a le Gymkhana. 27 race aussi. Bon, on va tester le Gymkhana. Avec une petite voiture, peut-être qu'on aura plus nos chances. Ah, c'est tellement ridicule. J'ai totalement fait ce qu'il fallait pas faire. On va recommencer. Ah oui, je suis parti, tout va bien. Même pas regarder ce qu'il fallait faire, c'est magique. Ouais, faut passer pour du plot 1, on aura compris, jusque là c'est bon. Et après, il fallait aller où? Après, il fallait... Oh là 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 là, bon sang, mon sang! J'ai l'impression d'être hyper... En fait, le problème que j'ai, c'est que je me fie à la carte. Et la carte se dévoile tellement tard, finalement, par rapport à ce qu'on a à faire, que je me fais toujours avoir. Donc là on va la refaire, maintenant que j'ai compris. Il fallait juste aller là en fait. Le troisième, c'est pas super bien, mais c'est déjà mieux que tout à l'heure. Ok, donc ça c'est le mode Gymkhana, on va revenir en arrière. Et on a un mode Advanced Race. J'aurais bien de battre contre quelqu'un, moi. Et là, le NA Fest. Oh, je suis en violation des règles de cette course et je veux pas rentrer. Oui, donc effectivement, il va falloir une coupe... Enfin... Il faut 2 points d'expérience, apparemment. Et je pense qu'il faut sûrement... il faut sûrement un type de voiture prévu. Donc, voilà, c'est le level 3 sur 4. Il faut que je sois au niveau 2, je sais level 1, donc je pense que c'est pour ça que je peux pas y accéder. Bon, c'est pas grave. On va du coup... On va sortir. On va voir un petit peu les véhicules. New Car Dealer. Alors regardez tout ce qu'on a quand même, on a donc Daihatsu, Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki. Donc déjà, chez les japonais, on est tranquille, il y a de quoi faire. On a Toyota. Ah c'est tout? Ah on n'a pas d'autres marques étrangères? Ah c'est dommage, bon attendez, j'ai quand même regardé les voitures qui sont disponibles dans le jeu. Oh là, on a un Midget 2. On a une Devmira Pro BMX. Devmira Avi. Ouais, ouais, un peu à l'époque et après quoi. C'est quand même pas mal agrandi. La petite copain. C'est un mignon. On a la Midget 2 que je pourrais presque m'acheter. Ok, donc ça c'est chez Daihatsu. Chez Honda. On a la Honda Beat. La Fit. La Civic. La CRX. Integra. Ok. Chez Mitsubishi, on a la Colt, on a la Mirage, on a la Mirage 3 portes, ok. La Mirage Asti. La Colt, du coup on a fait le tour. Chez Nissan, on a quoi? On a la marche, donc ça c'est la Micra, vous l'aurez compris. La marche tout court, la nouvelle.
dédicace à Fab B. RZI. Voilà. La 180SX. C'est vraiment, il y a quand même une mine de voitures. Hein. Pour ceux qui aiment le concept du drift à la japonaise de l'époque, Initial D, là, vous allez vraiment vous amuser, je pense. La Primera. Et la Primera de 2001. On va faire un tour chez Subaru. Oh, on a une petite Vivio RXR Supercharger. Une R2. Oh, bon sang. Ça me parle, cette voiture, mec. Oh, regardez le nez. Oui, oui. L'avant est horrible. L'LC1. Je vois pas de penser ça. Alcylon, mais en fait, c'est LC1. Voilà, là, avec la RXR, on l'a déjà vu. On va chez Suzuki. On a la Carry, la Works 660, mon dieu, la Works tout court, la K-Sport R, celle qu'on avait tout à l'heure. Ok. Chez Toyota, on aura fait enfin le tour, en tout cas pour le tour japonais, j'ai l'impression. On a la IST, la Starlet Turbo, la Starlet Granza, ouais, j'avais un pote du boulot qui avait ça. Plutôt la Starlet classique. Voilà, pas la fin là, hein. La Granza qui était dans Gran Turismo, la Vitz RS, la Levin, donc ça là c'est les trois portes, et alors il y a du monde chez Toyota, en tout cas en choix, bon on a plusieurs variantes, hein, ils sont pas embêtés quand même, la Sprinter Trueno, la Corolla Levin, la Sprinter Trueno encore mais en version plus récente, et là la première MR2. Ok, c'est sympa, hein, on a quand même pas mal de voitures, donc on a fait le tour. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir du mode de jeu, on va faire un autre type de mode, on va faire un conquest mode. Oui, on pourrait sauvegarder dans l'absolu, c'est pas trop grave, si on aura assez de place pour sauvegarder, ça c'est autre chose. Ouais. Alors, on va faire un record tour. Et on a donc groupe R, groupe J, groupe A, groupe B. La rank C, rank B, rank A et rank S. Donc j'imagine que rank S c'est les plus rapides. Bon, regardez les voitures plus rapides. Ah, ben voilà, on a bien des voitures européennes. On a une Xara, une 206 à version 2000. Bon, évidemment, vous n'avez pas, je pense, les licences à l'époque. Ah, une Starion Rally. Et une classique Impreza. Ok. Ça, c'est les voitures un peu. Voilà, un peu rapides. Ah, on a la Fiat Punto. Corsa 1600. Oh, c'est vraiment du rally qu'on est en train de faire là. Kyo Super 1600. La Ignis Super 1600 aussi. Rambé. Ah, oui, donc en fait, on n'a pas tout vu. Dans le shop, on ne pouvait pas encore tout acheter. Alors je me pose la question si justement c'était bloqué parce qu'on n'avait pas encore atteint un rang... parce qu'on était en rang C tout simplement. Et du coup on n'avait que des voitures du rang C qui étaient disponibles. Encore une GSR, alors c'est pareil, hein. Evolution 3 GSR, Evolution 4, on va se taper toutes les évolutions. Evolution 5, Evolution 6, Evolution 7, Evolution 8... Evolution 8 en MR, une Bluebird, Nissan Bluebird, qui d'ailleurs était en rallye, hein, il me semble, Bluebird. La Pulsar, la WRX, alors ça c'est la première. Okay. Elle manquait un petit peu au bataillon. La STI, ouais, pareil, on va avoir toutes les versions, je pense. Ah oui, c'est la 22B, voilà, c'est ça. Là, ouais. Non, après le niveau graphique, le jeu est quand même joli, hein, ça, c'est plutôt bien fait. Et on a celle de 2003. Ah, on en a d'autres. Alors attendez, on a la Celica. La Celica encore. On a la... Oh, on a une Renault 5 Turbo. Ok. Et une 205 Turbo 16. C'est pas mal. Et la rang B, le rang C du coup. Et là, je pense qu'on va avoir du coup les voitures... Ah non, on est Mazda 323 aussi, on a une... Bon, la Mirage, on l'a vu, Troydor, on a la Marche, on l'a vu. Swift et Celica. On a une Audi S3, ok. La Abarth... Oh, regardez. On a une Abarth TCV. Écoutez, je propose pour terminer, on va faire... Ah, ouais, un rang J, on va prendre un rang B, tiens.
On va prendre du Lancer, on va prendre... Je sais pas ce qu'on pourrait prendre. Je serais bien partant pour prendre la voiture qui est un petit peu à part, genre la Renault 5. On peut changer la couleur. Bon, bah on va prendre la couleur blanche. Pourquoi pas, hein. Et on va faire du coup... Go Race. Alors je regarde le Shift Assist, mais je pense que quand on veut vraiment bien jouer, on l'enlève. Là, c'est vraiment parce que je découvre le jeu. Ok, c'est parti, découvrons cette Renault 5 Turbo extra large. Oh là 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 là. Alors je vous remarque qu'il y a aussi un troisième truc qui est arrivé, c'est le compteur de hit. Là j'ai touché deux fois. On va changer de vue, on va se mettre comme ça. Comme elle glisse toute seule, j'ai même pas besoin de faire d'appuyer sur le frein. Ma voiture elle glisse tout de suite. Et niveau frein c'est pas trop ça non. Alors je sais pas si les hits vont avoir un impact ou pas dans le jeu. Alors ce jeu à qui va s'adresser? On va être simple, hein. Ceux qui adorent les courses de côte à la initiale D et qui aiment les circuits réduits comme ça. Autrement, si vous attendez par exemple à faire un Grand Tourisme avec la voiture japonaise, vous oubliez, même s'il y a pas mal de concepts qui sont repris, hein. Enfin, si Grand Tourisme n'a pas inventé, hein, mais le fait de pouvoir améliorer sa voiture, la tuner un petit peu, la régler, de pouvoir faire plusieurs courses, différents types de courses, le mode drift en plus. Qui a existé dans le Gran Turismo, hein, par exemple, c'est du Gran Turismo 5, il me semble, et le Gran Turismo HD. Autrement, voilà, si vous aimez pas ça, je pense que vous pouvez apprécier le jeu, c'est pas incompatible, mais je pense qu'il va falloir s'accrocher, parce que c'est un jeu qui m'a pas l'air facile du tout. On le voit là avec la Renault 5, c'est une purge, regardez, je le fais que tourner d'un côté à l'autre, il va même pas être drop. C'est un petit peu exagéré, pour être franc. Une voiture qui glisse comme ça, je pense qu'il faut l'amener chez le garagiste tout de suite. C'est une voiture qui va vous tuer, hein, au bout de 4 km, vous êtes mort. Pareil, au niveau des hits, à peine j'effleure. Là, j'ai à peine effleuré 10. Ça va très très vite. Je suis à 11 hits. 12. 13. Oh mon dieu, j'ai l'impression d'être un... Ah ouais, je sais pas, j'ai l'impression de... d'avoir passé mon permis il y a 4 secondes. En tout cas, si quelqu'un a amené cette voiture dans le jeu, je lui dis bravo. Il ne reste plus que 150 miles à faire. On va freiner. Ouah, on va passer. J'ai réussi à taper avant de conclure. Ok. Et ben voilà, on voit quoi ça sort les hits en fait. Chaque pénalité... Ok, 21 secondes on perd. Du coup, on marque 3 points. On voit les sections. Hein. Daytime, ok. Ouais, je prends 21 secondes dans la tranche. Et on est du coup 4ème. J'allais faire un tour en 2.43 en groupe A en tout cas. Et on est du coup 3ème. Alors, on peut faire le mode replay ou le mode next stage. Bon, on va faire next stage. Histoire de voir si on découvre un autre circuit. On va peut-être pas... Ah, je voulais garder la voiture, ok. On peut voir les informations de course, d'ailleurs. Ok, donc on sait qu'on va faire cette course-là. Section 8, section 7, section 6, on va voir toutes les sections. Au niveau des settings, bon, je pourrais régler les choses, mais bon, on n'en est pas là hein, pour le moment. Non mais l'handbrake j'arrive même pas à utiliser. Ah, traction control. Oui. Je veux tout au maximum, cette voiture est incontrôlable. Voilà, on va voir de là si ça change quelque chose. Et du coup, check your current standing. Ah donc je suis 4ème, ok. Et on va faire donc Go Race. On verra si notre réglage déjà permet de la dompter plus facilement.
Alors niveau sonore, j'ai pas l'impression que ce soit les sons corrects des voitures non plus. J'ai pas roulé en Renault 5 turbo, hein, ça se saurait. Mais je doute que ce soit ça. Bon, elle glisse toujours autant du cul, hein, par contre. Bon, un contrôle de traction. En fait, je perds tellement de temps en tapant. Aïe. J'allais dire limite autant que j'aille pépère et finir juste la spéciale sans se planter. Mais regardez même à la sortie. Hein. Alors j'ai vu des gens sur des bandes d'arcade jouer à ce type de jeu. Bon, c'est plutôt les jeux Initial D. Mais c'était assez impressionnant de les voir jouer sur les bandes d'arcade surtout. Les mecs, enfin, ils connaissent le circuit par cœur. On sent qu'ils ont dû jouer 1000 heures avant d'arriver à faire des trucs aussi parfaits. Non, mais c'est pas possible. Il reste encore 2 mèches 113 à faire. Je peux vous dire qu'on va avoir de la pénalité dans l'air, hein, parce que tout ce qu'on a touché. Absolument pas, hein. J'essaie juste de tourner la voiture, pivoter la voiture sans trop partir en noisette. Et voilà, on a tapé, du coup on a 10 hits. Bon, j'ai fait un effort. Hein. Voilà, même à l'accélération, je suis incapable d'aller droit, c'est impressionnant quand même. Hein. Je pense qu'il va falloir vraiment choisir votre véhicule dans ce jeu si vous voulez vraiment être bon, parce qu'il y a des véhicules qui sont quand même beaucoup plus minables que d'autres. Et la Renault 5, bah, un peu prévisible, j'ai envie de dire, n'en fait pas partie. Je m'attendais pas à une voiture rapide, à une voiture facile à manier. Je pense toujours groupe B quand je joue au Renault 5. J'ai tapé, hein, il a compté comme ayant tapé, bon bah pourquoi pas. Alors ceux qui ont le jeu, évidemment, je vous laisserai en commentaire me dire ce que j'ai raté, j'ai sûrement raté un milliard de choses. Écoutez bien qu'en une heure, on peut pas non plus tout trouver. Mais bon voilà, enfin vous direz ce que si j'ai raté des choses qui paraissent importantes. Bon après, le jeu en lui-même, il est pas mal, hein, il est plutôt... sympa. Niveau rallye, je pense qu'il y a moyen quand même de se faire plaisir, mais c'est juste que voilà, niveau maniement, je suis pas très fan, c'est pas du tout mon style de jeu, on va être honnête, hein. Je ne vais pas cracher dessus parce que c'est pas mon style de jeu. Pour moi, le jeu a une petite plus-value quand même, il a pas mal de choses. En tout cas, il se veut bien fait, il y a quelques bonnes idées. C'est tout ça que, surtout ça auquel je penserai en pensant à ce jeu. Et bizarrement, moi je pensais que le Tokyo Extreme Racing ça se déroulait en Tokyo, mais apparemment celui-là, enfin, en tout cas la version qu'on a pris, c'est pas du tout le cas. Bon, peut-être qu'on essaiera le 1 ou autre, je sais pas. Peut-être que là c'est vraiment une version particulière pour ça. Donc on verra la différence avec le premier. Bon, on a fini. Et du coup, on prend 15 secondes de la tronche. Ce qui nous fait que 2 points. On a vraiment été long. Hein. Oh là, regardez-moi ça. On est vraiment, vraiment à la rue. On est quand même 3ème. C'est quand même plutôt correct. Bah écoutez, je vais vous laisser sur un petit replay. Petite musique. Voilà, bah vous l'avez compris, un jeu très sympathique, sorti bien tard malheureusement sur la console. On a la PS3 qui était sortie, enfin qui vient de sortir. Voilà, bah bon petit jeu à essayer si vraiment vous êtes passionné de ce genre de jeu, du genre Initial D. Voilà.
Je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.